Ah bah c'est... Ça va venir. On n'a rien prévu. Comment ça? J'y crois pas une seconde. Merci. Moi, en fait, ça tient en un mot. Parfait. Merci. Salut. Super. Ah, vous ne vous y attendiez pas, celle-là. Ah non. Alors... Ah ouais, Kiki m'a commencé à vouloir le champagne. Et alors, pas de soucis, parce que là, on a un petit discours à faire. On va tout ouvrir tout à l'heure. Alors, pour la petite histoire, sachez que. Donc, on a parlé de faire ça dans le salon ici. Et puis, il y a une demi-heure, on arrive ici avec Zabeth pour installer des choses. Et puis, la salle est prise. Il y avait des verres, il y avait des ballons, tout. Donc à Follet, on va à l'accueil et puis heureusement que je jette un coup d'œil en passant à droite et je vois Emeric et Christine. Donc je vais leur dire il y a un problème et puis ils me disent non, il n'y a pas de problème. Juste avant que tu commences, vérifier que ça enregistre bien parce que j'ai un doute. Ce serait con. Donc tu... Là, le rouge, c'est bon, ça enregistre. Oui, quand c'est rouge et quand ça défile, ça enregistre. Là, tu vois, tu enregistres. Ça enregistre. Voilà. Au secours. C'est bon, on les a tous. Comptez-vous. Non, c'est pas ça. Allez, vas-y, chaque côté, c'est pas grave. Le spectacle. Ça va bien, ça va bien. On vous remercie d'être là. Vous savez qu'il y a une raison, toute simple, c'est que, avec un peu d'avance, parce que nous sommes mariés le 3 août 1974, donc avec 7 mois d'avance, nous fêtons nos 50 ans de mariage. J'espère qu'on va tenir encore 7 mois. Il n'y a pas de raison. Sans ça, il faudra rendre. Perso, j'espère encore un peu plus. C'est une répétition, c'est ça ? C'est une répétition. Voilà, t'as terminé. Alors, nous avons souhaité vous rassembler pour parler un petit peu de ça parce que. Nous allons voir par ailleurs. Parce que, voilà, nous aimerions vous faire comprendre que fêter 50 ans de mariage, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que si on le fêtait une deuxième fois, je ne sais pas trop dans quel état on sera. Bon. Et donc, que derrière, il y a la notion du temps qui passe. Et on voulait aborder ce sujet du temps, sous différents aspects. Et c'est ce qu'on propose de vous faire tout de suite, dans deux heures et demie. Non, rassurez-vous, ça ne va pas durer aussi longtemps que ça. Et puis les bouteilles vont se réchauffer. Alors d'abord, il faut bien comprendre que la notion du temps est importante. Vous êtes tous réunis, vous faites tous partie de notre famille. Voilà. Et donc, avant de commencer de parler, on va faire un petit tour de table, on va vous regarder comme ça. Chacun individuellement, oui. parce que vous le méritez tous. Donc c'est simplement un petit bonjour comme ça, c'est vraiment le temps de se regarder et d'avoir le plaisir de se regarder comme ça. Vous êtes tous nos petits-enfants, nos enfants, les pièces rapportées. Vous faites tous partie de la famille. Quand même un beau. Mais j'aimerais bien avoir des regards. Si c'est des regards qui comptent. Je me rappelle. Les petits-enfants, les beaux yeux bleus, les beaux yeux bruns. Je ne parle pas des yeux, absolument. Les beaux yeux bleus, les beaux yeux bruns. Ah, il n'y a plus personne. Les grandes dernières. Et vous voulez qu'il arrive avec la réponse. Oui, il voulait qu'il y arrive aussi. Oh, des yeux bleus là-bas, on les voit pas beaucoup. Là-bas aussi, il y en a d'autres. Ouais, voilà. Imaginez le temps qui passe. Ça se matérialise pas le temps. Une montre, une horloge,
on pourrait le matérialiser autrement par une énorme vasque, une grosse tour. Et dedans, il y aurait non pas de l'eau, mais du temps. Du temps qui tombe, comme des gouttes d'eau. Alors c'est une vasque magique, parce qu'elle ne déborde jamais. Et puis elle grossit en fonction du temps. Et nous, on a une énorme vasque. Il y a 50 ans derrière. De pic-pic, mais en fait, ça ne fait pas de bruit. Le temps ne fait pas de bruit. Il passe et ne fait pas de bruit. Imaginez que vous aussi, vous avez une vasque. C'est votre vasque à vous. Chacun a la sienne derrière. C'est une vasque magique. Et bien, ces petits temps qui passent, il faut bien comprendre qu'une fois que c'est dedans, c'est passé. On ne peut pas prendre une goutte de temps et puis la remettre dans l'avenir. C'est passé. C'est dans la tête, c'est le souvenir. C'est l'expérience, c'est la vie. On en reparlera tout à l'heure. Alors, Papounet est très doué pour faire le discours. Moi, je l'ai écrit. Donc voilà ce que je voulais vous dire. 50 ans de mariage, ça valait bien un discours. On est d'accord. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre couple. Laissez-nous savourer les rapides délices du plus beau de nos jours. Arthur, t'as fait du français, c'est de qui ça? Alors Rimbaud? Non. Verlaine? Non, c'est Ramsa, Ramsa. Non. Non. Pierre. Non. Apollinaire. Non. Lamartine, ouais. Lamartine. Sur le fil. Voilà. Et oui, le temps va vite. Et plus on vieillit, plus il va vite. Vous l'aurez vu, Apollinaire vous l'a dit, nous allons vous parler du temps. Mais avant, laissez-moi vous raconter une anecdote. Nous étions à Aix-les-Bains, au restaurant, et bavardions avec le serveur. Dans la conversation, nous lui disions que nous avions bientôt 50 ans de mariage. Étonné, il nous dit, quel est votre secret? Alors je lui dis, vous voulez savoir mon secret? Il m'a dit, oui. Et je suis nerveux, je dis, reviendrai avec la suivante, je vous le donnerai. On va partir avec lui tranquillement. Et voilà pour nous le secret de notre temps. Nous nous sommes connus en quelle année, à votre avis, les enfants? Oui, en 1972, et comme tous les amoureux, nous étions attirés l'un vers l'autre, et nous avons pris le temps de la découverte. Nous avons beaucoup parlé, échangé sur des sujets très variés, la place de la famille, la place des amis, de l'argent, des loisirs, des enfants, du travail, et j'en passe. Puis, ce fut le temps de donner la vie, avec joie et bonheur. 4 enfants, relevant. À la naissance des enfants, ce fut le temps des choix assumés. Stabilité de la famille, avec le choix d'élever les enfants sans travailler à l'extérieur pour moi, et pour Papounet, la lourde responsabilité d'assurer la vie financière de la famille. En parallèle, ce fut le temps des engagements, seuls ou en couple, qui nous ont ouverts sur le monde. Je pense au groupe de réflexion assis avec d'autres ménages qui sont venus des amis et voir des parrains-marraines les uns des autres. L'engagement en aumônerie, qu'on a fait ensemble quand on était en région parisienne. Les scouts, le CCMD, vous savez ce que c'est le CCMD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est la première organisation non gouvernementale en termes de développement. Habitat humanisme, SOS Amitié, et j'en passe. Les voyages, dans des conditions bien différentes de ce que nous vivons à Tcherba, ont élargi notre vision du monde et permis de remettre à leur juste place les soucis que nous pouvions avoir. Et toujours, nous avons préservé le temps de l'intimité. Nous la construisons par la parole, le respect, la connivence, la confiance dans les moments de tempête et la tendresse, bien sûr, sans oublier le parcours. Je tourne la page. Après vint le temps de la transmission. Nous avons essayé de vous transmettre des valeurs auxquelles nous tenons et qui sont des secrets pour être heureux. Le respect et l'amour des autres, la bienveillance
pas la concurrence, l'être plutôt que l'avoir. Dans la transmission, nous n'oublions pas, bien sûr, Batange et Vic, qui sont des lieux où vous pouvez vous retrouver en famille et tisser des liens. Ce ne sont que des biens matériels, avoir, mais aussi ce sont des biens d'une autre nature, de la nature de l'être. Ne consommez pas ces lieux et prenez-en soin. Vous aussi, vous aurez à transmettre les enfants et les petits-enfants quand vous serez plus grands. Et puis, la vieillesse arrivant, vient le temps de l'intériorité, de la contemplation, un retour à l'essentiel qui construit. Le temps de rendre grâce, de savourer toutes les rencontres qui nous ont enrichis. Le temps pour plus de spiritualité. Vivre dans la bienveillance et la confiance. Moi aussi, j'ai besoin du papier. On dit sèche. Ce que je voudrais, c'est très rapidement, parce que c'est en définitive très compliqué, c'est de comparer les trois générations qui sont présentes dans cette salle. Nous, nous avons bâti notre vie, nos enfants, comment ils bâtissent la leur, et maintenant, les petits-enfants, vous, comment vous allez bâtir la vôtre? Et ce sont trois modèles qui sont très différents. Alors qu'avant, en définitive, les siècles passaient avec une lenteur assez forte, et chaque génération reproduisait la génération d'avant. Or, aujourd'hui, ce n'est plus franchement le cas. Nous, en définitive, avec Mamounette, nous avons vécu dans notre temps qui était très traditionnel, avec une vision assez classique, l'homme au travail, la femme avec les enfants à la maison, et qui s'occupait de tout le matériel. On a vécu dans ce schéma-là. La place de la femme n'était pas celle qu'il y a aujourd'hui. Excuse-moi, mais j'ai quand même travaillé un peu quand les enfants ont grandi. Certes. Mais c'était une vision assez traditionnelle. Par contre, nos parents et nous, on l'a conservé, nous avons voulu avoir une vision assez ouverte sur le monde, à travers les voyages, les associations, etc. Mais c'est une vision très classique que vous retrouverez dans les livres d'histoire. Que nos enfants. Choisis. Ce sont des choix de vie. Des choix de vie, mais que nous avons choisi, on l'a dit tout à l'heure, d'élever les enfants pendant longtemps. Alors pour nos enfants, il y a des paramètres qui ont beaucoup bougé. Tout d'abord, effectivement, la place de la femme, qui est devenue beaucoup moins traditionnelle, avec des femmes qui font des études, qui réclament à juste titre leur place dans la société, et Dieu sait si ce n'est pas encore facile aujourd'hui. Et ça a pris une place prépondérante. Vous avez tous une activité professionnelle, et tant mieux, ça enrichit votre monde. L'égalité entre les hommes et les femmes, et du coup, effectivement, la répartition des rôles dans le ménage, dans la famille, dans l'éducation des enfants, n'est pas positionnée de la même façon que nous. Donc il y a déjà une évolution assez forte. Et puis, il y a eu le voyage. Maintenant, vous voyagez beaucoup plus facilement que nous, et pourtant, on en a fait des voyages. Mais c'est vrai que vous avez la possibilité de le faire. Par contre, la contrepartie est apparue, et ça dans toute la société, c'est l'écologie. Le problème de l'écologie, qui est nous, c'était un terme qui n'existait pas. On n'en avait strictement aucune conscience. C'est apparu de votre temps, et maintenant, c'est vous, la nouvelle génération, qui vous allez vivre avec cette question-là d'une manière phénoménale. La vision de notre planète n'est pas la même entre vous, nos enfants, et nous, les parents. La contrepartie de ça, c'est que vous avez un emploi du temps qui est plus chargé que le vôtre, allez, au même âge, à tel point qu'on se pose la question, si vous ne faites pas partie d'une société d'équilibristes que nous n'avions pas connue. Tellement il nous semble, de notre point de vue, que vous n'arrêtez pas de courir. Mais ça, c'est, voilà, chaque génération, ses questions et ses problèmes.
Alors vous, les petits-enfants, eh ben vous vivez dans un autre monde. Alors ce monde-là, vous le connaissez. C'est le monde de la consommation, de la surconsommation. Des fois à outrance, même si vous êtes en définitive plutôt raisonnable par rapport à d'autres. C'est le monde des écrans, de tous les écrans que l'on peut avoir, avec derrière le problème du temps passé sur les écrans et du temps qui reste à faire autre chose que les écrans. C'est votre problème. Aujourd'hui, c'est encore le problème de vos parents parce que vous êtes dans une phase d'éducation. Mais demain, quand je dis demain, c'est dans quelques années. Mais ça sera votre problème. Comment est-ce que vous vivrez ici et maintenant? Ça, c'est une bonne question. L'énorme question de l'écologie, avec toutes ses ambiguïtés, avec vos ambiguïtés, parce que vous êtes les premiers à parler d'écologie, à parler de tri sélectif, mais vous êtes les premiers à laisser tout allumé derrière vous. Bon. On a vu ça à 20 ans. On l'a vu. C'est pas bien méchant, mais c'est une réalité. Une nouvelle question qui apparaît, qui, j'ai l'impression, est pour vous importante et qui, pour nous, en définitive, n'existait pas, c'est la question « À quelle tribu j'appartiens ?» Avec le mélange qu'il y a, avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui qui sont de plus en plus faciles, effectivement, vous pouvez vous poser la question « À quelle tribu j'appartiens ? À quelle tribu je veux désormais appartenir ?» Nous, on ne s'est jamais posé la question. On vient d'un milieu, on est élevé dans ce milieu, on continue dans ce milieu. Vous pouvez évoluer beaucoup plus facilement avec des tentations d'évolution extrêmement fortes. Ça va être à vous de savoir discerner ce qui se passe, les opportunités qui s'ouvrent et les réponses que vous apportez. C'est des questions totalement nouvelles auxquelles vous n'avez peut-être pas conscience aujourd'hui parce que vous êtes encore jeune. Mais que vous aurez un jour à résoudre. La question de l'impatience, de l'individualisme. Calme, cool, prenez le temps. On parle du temps aujourd'hui, du temps présent. Arrêtez de courir, ne faites pas comme vos parents. Le temps qui passe et qui passe trop vite. Bon, mais réduire nos petits-enfants à ça, ça serait franchement injuste. Vous avez évidemment bien d'autres qualités que ça, que de supporter toutes ces contraintes extérieures. Vous êtes évidemment plein d'énergie. Vous êtes la joie de vivre, la joie de la découverte. De voir ça, nous, grands-parents, c'est une petite merveille, quoi. Donc continuez, surtout continuez. De vous voir, vous retrouver ici ou ailleurs, de faire, de savoir faire les efforts qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et Dieu sait si des fois les efforts sont élevés, surtout continuer. Quel plaisir. Et là, vous vous construisez. Un élan vital chez les petits-enfants. Donc, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Dans ce registre-là, surtout continuer. Je sais plus où on en est. Je sais. Vous avez de chance. Alors, vous voulez vous livrer un peu ces secrets pour être heureux. On vous a dit plein de choses. Mais en conclusion, on a envie de vous dire, aimez l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il m'apporte. Pas de façon égoïste. Vivre toujours dans la bienveillance et la confiance. Vous vous souvenez, à 20 ans, je les ai appris ces mots-là, on en travaillait. On ne peut pas faire autrement que de vivre en faisant confiance à l'autre et puis en étant bienveillant, voir le bien chez l'autre. Ça, c'est très important. Il faut aussi savoir s'entourer d'amis fidèles qui peuvent vous épauler dans les joies comme dans les épreuves. C'est important. Voilà un petit peu, en 4 mots, 5 mots. Ce qu'on voulait vous dire en conclusion. Aimez, comme disait saint Augustin, et il a dit, aimez et faites ce que vous voulez. Donc aimez, ça veut dire penser à l'autre et faites ce que vous voulez après. Vous aurez tout gagné.
Alors oui. Oui, je le sais parfaitement. Oui, je le sais. Et vous ne comprenez pas forcément tout ce que je dis. Mais je le sais aussi, et vous allez vous en souvenir que je le sais, que c'est filmé, que ça sera sur Internet, et que un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, et ben vous retomberez sur ce film, vous vous verrez à cet âge-là, tel que vous êtes aujourd'hui, vous écouterez de nouveau et avec un air différent ce que nous disons, et là, ça serait drôle. Si on était là, de voir comment vous avez réagi. Et là, je dirais, finalement, c'était pas si bête que ça, ce qu'ils ont raconté, pas tout le monde, la moulette. J'espère. Alors, sur cette fameuse vasque dont j'ai parlé, en fait, c'est une vasque magique. Et... Mais si vous regardez bien, je suis sûr que sur votre vasque, c'est marqué de dessous, là, juste en dessous. C'est marqué. Le bonheur, c'est ne pas regretter le temps qui est passé, les petites gouttes de temps qui sont dedans. Il ne faut pas les regretter, elles sont passées. Elles sont passées. Mais pas rien, elles sont passées. C'est vivre complètement le temps d'aujourd'hui. Et c'est construire le temps de demain. C'est ça. C'est tout. Et le champagne va ok, on a bientôt fini, rassure-toi. Un dernier point sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté. Nous, notre secret, ça a été l'intimité. Notre intimité. Notre connivence. Sans bruit. Parce que nous avons eu des désaccords. C'est évident. Nous nous sommes disputés. Ah bon. Mais pas en cassant des assiettes, nous c'était pas notre style du tout. Quand on n'était pas d'accord, nous discutions dans l'intimité, en tête à tête, tous les deux. On se disait les mots, peu de mots, peu de mots. Notre désaccord, on disait, non, je suis pas d'accord. C'était notre secret à nous, ça a marché. Vous, vous êtes dans l'inverse. Vous êtes dans ce que j'allais dire, vous les petits enfants, un mot qui n'existe pas, je crois pas qu'il existe. C'est l'extimité, c'est l'inverse de l'intimité. L'intimité, c'est être ensemble, très proche. Vous, c'est l'extimité, c'est exactement l'inverse. C'est avec ces foutus réseaux sociaux qui sont géniaux, mais qui sont dangereux. L'extimité, c'est s'exposer à l'extérieur à des personnes qui ne vous connaissent pas. Nous, on s'expose à l'intérieur à des personnes que l'on connaît. En qui on a confiance. En qui on a confiance. On a confiance absolue. Vous, c'est votre danger. L'extimité. Et on ne parle pas de son intimité. Et pour finir, eh bien, je vais faire une exception, je vais parler de mon intimité. Moi ? Et c'est pour ça que je vais te regarder. Puisqu'on parle de notre intimité, donc ils ne sont pas là. Ils sont partis boire un coup. Je t'écoute. Ils sont partis boire un coup, ils regardent par le trou de la serrure, c'est des petites souris partout. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu une année très difficile, c'était en 1982-1983. Puis je suis à l'âge de 32 ans, j'avais des difficultés professionnelles. Bon, on en a parlé et je t'ai fait comprendre qu'il fallait que je me reconvertisse complètement. Donc c'était un an d'études à Paris, alors qu'on habitait à Rouen, on avait 4 enfants. Marjorie avait 6 mois. Et je savais que ça allait être difficile pour moi, ça allait être très difficile pour toi. Si tu te retrouvais seul pendant toute la semaine, avec vos 4 qui étaient avec bien, les 4, avec tout à fait. Et la réponse que tu as faite, elle a été simple, ça a été oui. Un oui basé sur la confiance, une confiance absolue. Une confiance totale, ça n'a pas été le seul, il y en a eu d'autres. Et voilà, donc pour ça, je voulais te dire merci parce que ça m'a construit. Ça a permis effectivement de repartir sur votre base, mais moi ça m'a construit. Donc je voulais te dire merci. Et je pense que
En fait, vous l'avez tous compris, en fait, j'aime bien mon élève. Et la réciproque est vraie. Merci à tous. Et maintenant, au revoir. Hervé, Maël, Anaëlle, Moïse, Célestin, Alexander, Gaïa, Nazénor, Laurent, Antoine, Maurice, Héloïse, Joshua, Sorel, Esther, et voilà. J'en ai peut-être oublié, excusez-moi. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, mais quelle œuvre d'art? Alors, comme vous êtes un peu nul en devinette, ça on le savait déjà, on a décidé de vous donner des enfants, ouais, c'est sympa, ils vous ont fait un cadeau d'un indice. Des indices, il y a des indices, on va avoir si vous êtes trouvé du premier coup. On a 7 mois pour trouver le... C'est un escape game, c'est un escape game. Oh là là. Il faut trouver. Des indices. Vous pouvez montrer les dessins? Alors, là, c'est l'hôtel d'ici. Ouais, vous. C'est de qui? C'est de moi. Ça c'est Maureen, il faudra signer les dessins, vous allez voir. Ah d'accord, waouh. Ça c'est super ça. Ça c'est un jeu. Ouais. La prochaine. Il y a un jeu. Attends, il y en a plusieurs. La brochette, je pense que je vais arriver à mettre dans l'ordre tout le monde. C'est ça l'objectif. T'es la plus grande. Il y en a qui est un peu bizarre. On doit bien savoir qui c'est. Quoi? Ça c'est encore Batange, alors ça je sais pas si c'est qui. C'est qui? C'est pas signé. C'est Gaïane. Ah, ça c'est Batange avec deux arbres verts devant, effectivement. Est-ce que ça chauffe côté indice ou pas encore? Ah non, pas du tout. Bah là, pour l'instant... Ah si, peut-être un peu de verdure. Une œuvre d'art. Ça alors, Batange, alors là c'est... là, il y a du bleu blanc rouge, mais je sais pas si c'est pas vraiment du bleu blanc rouge. C'est du l'art. On est pas trop. Bon, il y a un point central, semble-t-il. Alors là. Ça y est, j'ai l'idée. C'est quoi? Un boulot de Rome pour devant la maison. Non, un boulot de Rome. Non, c'est pas une œuvre d'art, ça. Bon, visiblement. Alors là, il y a des fenêtres et des volets, mais. Je crois que c'est déjà fait. Attends, c'est clair. Il a un petit peu penché. Il faudra, les enfants vont signer après. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est qu'ils n'ont pas signé, oui. Moi,
moi, moi, j'ai fait signer d'artiste. Alors, là, là, c'est... Oula, là, là, il y a plein de noms, la chance sous forme de serpent. Là, c'est un dessin très élaboré. Avec tous les prénoms de tout le monde. Il y a tout le monde. On peut regarder, là, là, non, il y a ici, il y a des activités. Bravo. Oui, oui, il faut sortir les pochettes. On sort les pochettes. Bon, Vatan, j'ai les centrales, hein. Non, regarde, c'est un tableau de Vatan, je peux vous offrir. Ah, 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 une photo. Une photo. Les photos, on a fini les indices. C'est toujours là. Ah non, là, j'allais dire c'est la même façade. Non, raté là. C'est l'autre façade. Très bien. C'est qui a fait l'autre façade? Josh. Josh. Quelle façade? Là, là, on passe de l'autre côté. Un dessin. Alors là, c'est une vraie peinture. Esther, de l'autre côté. C'est beau. C'est quoi? Avec une pizza, tiens. Une pizza. Évidemment, j'ai payé là. Bon, il faut qu'on trouve alors, la bois commun, à travers tous ces bois communs. Alors, je pense que les pelles à machine sont un peu usées, tu peux. Le bois commun, bah... C'est Vatan. Oui, bon, ça, d'accord. Vous voulez vous retrouver à Vatan cet été? C'est ça. Quel est le rapport avec l'œuvre d'art? Ah, quel est le rapport avec l'œuvre d'art? Avec l'œuvre d'art. Avec l'œuvre d'art. Bah, c'est un tableau de Vatan, je sais pas, je brûle là. Ah, c'est pas mal. Alors, on va les aider un peu. Un tableau de Vatan, fait par quelqu'un qui connaît Vatan. Quelqu'un qui connaît Vatan. J'ai trouvé. Claire, Claire. Une certaine Claire. C'est moi. Oui, je connais pas ses talents. C'est clair. On peut regarder en public ou pas? J'appuie là, papa. Très bien.